on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc oui, on est samedi 2 octobre 2021, il est 7h et quelques. Tu vois, il profite pour faire du bruit à fond, hein, ça ne changera jamais. Et c'est le fameux samedi de Animal Expo, donc je vous emmène à Animal Expo avec moi aujourd'hui, où ça devrait être une sacrée journée. Donc Pauline doit nous rejoindre, on fait du covoiturage. Finalement j'y vais en voiture parce que Palchéré a décidé de venir. Comme ça je ne l'annonce pas forcément sur les réseaux quand il vient ou quand il ne vient pas. Ça évite de se dire quand la maison est vide ou pas. Petite astuce. Et donc bah, c'est parti, je vous emmène avec moi toute la journée. Donc ça va après avoir galéré pour se garer, mais heureusement une Twingo, comme je vous l'ai déjà dit, ça se gare partout. On est enfin arrivé, donc là il faut qu'on distingue la queue pour ceux qui ont leur billet à acheter de ce que nous on a déjà nos billets. Et c'est bon, on est posé.
Donc il est 19h, enfin non 19h, au contraire, il est 5h20, on est déjà rentré, on a même eu le temps de passer faire un autre magasin supplémentaire en rentrant. Je pense que ça va être vraiment la dernière fois qu'on se fait Animal Expo. Parce que déjà rien qu'en arrivant ça a été un bazar monstre, on pensait avoir un coupe-fil et finalement en fait le coupe-fil n'avait pas puisque finalement c'est ceux qui n'avaient pas acheté leur billet qui passaient beaucoup plus vite que les gens qui avaient déjà acheté leur billet. On est passé au bout d'une heure de queue, bon ça a été assez rapide quand même, mais bon, des stands pas très intéressants, c'est encore trop de ventes de croquettes alors qu'on s'en fout complet. Donc on a réussi quand même à trouver des choses à acheter, mais c'était pas la satisfaction totale. Donc à 14h et quelques on est reparti. Juste après avoir mangé, et puis après on a le temps de passer chez B&M. Donc voilà. Donc le bilan Animal Expo c'était vraiment pas top. Voilà. Donc, on est déjà rentré. Là je vais m'occuper de faire vite fait le haul de tout ce qu'on a acheté, et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Donc voilà, j'ai tourné le haul. Il n'y aura plus qu'à voir ça en détail dans la vidéo exprès. Donc après, donc j'ai dit, on a été parti chez B&M. Donc je vous avais déjà montré quelques trucs qu'on avait achetés. Donc anciennement Babou qui a juste été renommé, mais à l'intérieur c'est exactement la même chose. C'est obligé. C'est le craquage à chaque fois. Bon, on alterne à chaque fois entre les bouboules et ça, mais voilà. Donc on a aussi, j'ai pris pour tester les Kit Kat Chunky Cookie Dough. Donc on verra ce que ça donne de ce niveau-là. On a vu qu'on n'était pas du tout satisfait. Ce petit spoil des jouets qu'il y avait à Animal Expo, ben, on en a pris un supplément. Bon, il n'est pas très estampillé, on voulait le garder pour Noël, mais même sur là-bas, il y avait les rayons qui étaient vides sur les jouets les plus intéressants chez Babou, donc enfin chez B&M. On a pris pour tester donc des mochis. Donc ça j'ai jamais l'occasion de tester. Celui-là apparemment c'est la pêche. Donc on verra ce que ça donne. Je n'ai jamais goûté ce genre de choses. On entend parler, j'ai des médailles avec des motifs dessus là, de ce genre de choses dessus, mais jamais testé. Et enfin j'ai pu trouver une boîte à couture pour 5 balles. Sachant que j'avais regardé partout sur Amazon et ailleurs, je ne trouvais rien d'accessible niveau en termes de prix et de basique. Et voilà. Donc ça j'ai trouvé. Il y avait aussi ça tout à l'heure qu'on avait eu, il y a quelqu'un du parti animaliste qui était à la sortie d'Animal Expo pour nous donner ses tracts. Comme ça je vais pouvoir regarder le petit programme. Donc il n'y a plus qu'à ranger tout ça et puis il y en a un qui profite de défoncer ce qu'il a reçu.